Clifton! C'est Rose Clifton, ma cliente. Oui, oui, je suis en plein western, avec des cow-boys, des flingues, des vrais méchants, des comme dans les westerns, quoi. Mais bon, faut que je vous explique un peu comment Rose en est arrivée là. Allez hop, on revient une semaine en arrière. Je devais travailler comme barmaid au saloon de Jack, le mari de Rose. Mais il a eu la mauvaise idée de se pendre un mois avant que j'arrive. Pour Rose et sa fille Lucie, ça a été terrible. En ville, on les plaint, on s'apitoie, mais on chuchote aussi. Comme si le malheur était contagieux. Je croyais que ça allait être une mission facile, que j'allais pouvoir m'amuser à tirer sur des boîtes de conserve. Eh ben, j'avais tort. On en est où? Ah oui, la pauvre Rose a maintenant un saloon sur les bras. Mais heureusement, son mari lui a laissé assez d'argent au coffre. C'est pas possible. Y a plus rien. Y a plus d'argent. Jack m'avait dit qu'il y avait 1000 dollars dans le coffre. Je comprends pas. C'est pas que je compatis pas, hein, mais je vais te payer quand, moi? Attends, si Jack Clifton, enfin, je veux dire ton mari, a laissé ce carnet dans le coffre, c'est qu'il est important, non? Cet argent devait servir au mariage de Lucie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire, Joséphine? Bonjour, Ariette. Bonjour, Rose. Ça va? Je te présente Joséphine. Bonjour. C'est Jack qui l'avait engagée avant de... Enchantée. Et voici Ariette, ma meilleure amie. Et la future belle-maman de Lucie. Ah! Ça va, toi? T'es toute pâle? Si, si, ça va. S'il y a quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi, hein? Merci. Waouh! Chérie, t'es superbe. Et attends de voir les accessoires qui vont avec. Regarde ça. Le voile de dentelle. Oh, c'est ravissant. On peut, maman? S'il te plaît. Bien sûr. Je suis vraiment contente que t'aies pas reporté le mariage. Ben attend ce jour avec tellement d'impatience. Lucie aussi. Tu veux bien tout mettre sur ma note? Écoute, Rose, je t'ai fait crédit parce que c'est toi et au vu des circonstances, mais là, avec la pénurie, c'est... Je comprends. Je passerai de payer demain. Pardon, mais cette pénurie, elle est due à quoi? Une épidémie qui décime le bétail depuis quelques semaines. Le frère de Jack a tout perdu, comme beaucoup de fermiers aux alentours. D'accord. Au fait, c'est les napperons pour la vente de charité. Rose qui pense toujours aux autres, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Ok. Il me reste à peine 20 dollars et 2 jours de vivre. Je comprends pas que Jack nous ait laissés comme ça.
Ben, peut-être qu'il avait des dettes. Je sais pas. Il a même pas daigné me laisser une lettre d'explication avant. Bon, plus important, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, je vais gager mon alliance. Ça devrait suffire pour rembourser Harriet. Ouais, et après? Après, j'aurai pas d'autre choix que de céder le salon au plus offrant. J'ai une meilleure solution à vous proposer. Vous allez m'accorder un prêt? Monsieur Van Noster est banquier. Ah, bah c'est épatant. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Je peux donner un mariage de princesse à votre fille, mettre un homme à la tête du saloon, vous offrir un avenir dépourvu de tout souci matériel et vous promettre de toujours prendre grand soin de vous. Il suffit de dire oui, Rose. Et vous ferez de moi le plus heureux des hommes. Épousez-moi. Non. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Ulysse. Mais le mariage, un bon mariage se construit sur des valeurs, du respect. Franchement, vous ne trouverez pas mieux. Bon, je vous laisse le soin d'y penser et retrouver vos esprits. Mesdames. T'as été un peu dur avec lui. Bon, d'accord, c'est pas Clint Eastwood, mais qui? Eh oui, pardon, c'est un copain à moi. Non, mais ce que je veux dire, il a l'air sincère, ce monsieur. Ulysse, sincère? Quand mon beau-frère a perdu tout son bétail, il a demandé à Ulysse de lui accorder un prêt. Et il a refusé? Non. Il a voulu le saloon en garantie. Mon mari pouvait pas prendre ce risque-là. Ulysse pense que tout peut s'acheter. Mais attends, il y a bien un shérif dans cette ville. Il a été tué dans une embuscade il y a plusieurs semaines. Mon futur agent occupe le poste en attendant, faute de volontaire. Mais c'est un tendre. Du coup, il n'y a plus personne pour se dresser contre Ulysse. Sauf toi. Il faut que je trouve le moyen de vendre le saloon vite. Très vite. Bah, tu vas quand même pas le brader non plus. Et sinon, je dis quoi à Lucie? Qu'on repousse le mariage? Bah, pourquoi pas? Souvent, la vérité, c'est ce qu'il y a de mieux à dire, hein. Reporter le mariage? Non mais c'est pas possible, c'est déjà un miracle que l'Evans n'ait pas tout annulé. Il s'agit pas d'annuler le mariage, juste de le reporter de quelques semaines. Oui, mais on sera bien obligé de leur dire qu'on n'a plus un sou. Mais pour la dot, on fait comment? Bah, les Evans, ils peuvent pas faire l'impasse sur cette dot. Bien sûr que non. Ça veut dire que t'es obligé de payer pour l'épouser? Mais de quel monde vous venez? Sans dot, j'en trouverai jamais un parti pareil. Ce qui arrive, c'est pas juste, c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute non plus, hein. Pourquoi t'as rien vu venir? Pourquoi tu l'as pas empêché? Papa disait qu'il nous aimait, mais c'est pas vrai. Il s'en fichait bien de ce qu'on deviendrait. Je le déteste. Lucie, attends, écoute. On va faire comme prévu pour le mariage, d'accord? T'inquiète pas. T'es sûre? Oui. Je viens juste de me souvenir que ton père m'avait parlé d'un acheteur à Richville qui était très intéressé par le saloon. Je le contacterai demain, dès la première heure, je te promets. Merci. Merci, maman. Et pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, je le pensais pas. Je sais. Drôlement providentiel, cet acheteur. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la mort de Jack, j'ai vu ma fille sourire. Alors oui, j'ai menti. Eh bien, félicitations, mesdames, pour les dons qui nous ont permis de réparer le toit d'église. Vous êtes merveilleux. Que serait notre ville sans vous? Eh bien, allons-y. Mère a convaincu le curé de nous faire une vraie messe pour notre mariage. Pourquoi? Parce que d'habitude, il en fait des fausses. Il avait quelques problèmes de conscience. Vu le geste de Jack et la position de l'église catholique, il n'aurait jamais cédé si Harriet ne lui avait pas graissé la patte. Maman, je vais manger ses bennes ce midi. Wow. Attends, c'est encore à ta mère de prendre des décisions pour toi, tu sais. Quand nous serons mariés, ça sera à moi. Allez, allons-y. Dans votre situation, Rose, lorsqu'un homme vous offre une chance de refaire votre vie, non seulement vous ne la refusez pas, mais vous dites merci. C'est la présidente du fan club d'Ulysse? Non, c'est sa sœur.
Et gardez-vous bien de tous ces faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu crois qu'il parle de lys, là ? Écoutez la parole de Dieu. Dieu nous guide sur le chemin de l'amour. Un amour inconditionnel. Dieu a bon dos. Dieu a bon dos. Où a-t-il dit de s'aplatir devant les autres ? Où a-t-il dit de s'aplatir devant les autres ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Où a-t-il dit de prendre l'autre joue ? Je peux pas, c'est un curé quand même. Où a-t-il dit que l'homme était supérieur ? Où a-t-il dit que la femme devait obéir ? Nulle part ! Alors résistez, mesdames ! Libérez-vous ! Prenez la place qui est la vôtre et faites entendre votre voix ! Battez-vous pour la faire entendre ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ben, il n'a pas l'air d'intéresser grand monde, le saloon, hein ? Ben, ils sont peut-être tous en train de manger. Bon, il y a une rumeur qui circule en ville, hein, comme quoi le saloon serait maudit, que celui qui le rachètera, il sera maudit lui aussi. Hein. Ah ben, visiblement, ça fait de l'effet. Qu'est-ce qui reste comme solution, Ulysse ? Ah non, hein, certainement pas. Autant récupérer le saloon moi-même. Ah bah oui. Ah. Non, je dis n'importe quoi. Oh, j'y fais pas dire. Bah pourquoi il est à toi ce saloon ? Bah parce que je suis une femme. Et alors ? Bah alors ça se fait pas, Joséphine, c'est pas respectable. On parle d'un saloon, là, pas d'un salon de thé. Et d'où ce mal léché qui vient de se rincer l'œil et le gosier, hein. Mais attends, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu risques ? Rappelle-toi ce qu'il a dit, le curé. Femme, battez-vous, faites entendre votre voix, prenez la place qui vous est due. Alléluia ! T'es battante, t'as du répondant, t'adores t'occuper des autres. Qu'est-ce qui te manque pour tenir un saloon ? Bah, à part savoir te servir d'un tiroir caisse. Plutôt d'apprendre à servir d'un six coups, hein. Oui, bon, ça va. Pense à l'argent qu'elle te doit et... Est-ce que tu crois que les serveuses et le pianiste seraient prêts demain ? Ben oui, hein, mais nous, non. Hein. Ah ben, nous aussi, parce que moi, quand je m'y mets, je bosse comme quatre. Alors ? Tu peux aller annoncer la réouverture du salon en ville ? T'es sûre de toi ? T'as pris ta décision ? Mais personne ne doit savoir que c'est moi qui reprends le salon, sinon personne viendra. Eh, compris ? Messieurs, bonjour. Le salon rouvre demain. Vous faites passer le mot ? Bonne journée. Ça veut dire que Rose Clifton a dit oui ? Oui, mais pas Ulysse Van Noster. Elle aurait trouvé un repreneur, là ? Exactement, quelqu'un qui fait fi de la malédiction. À ce propos, vous savez pas d'où elle vient, cette rumeur ? Ah non, j'en sais rien, non. C'est un peu le principe d'une rumeur. Mais c'est pas le principe d'un shérif d'essayer de la faire taire et de faire respecter la loi ? L'essentiel, là, c'est que l'ordre règne. Hein ? Que la vie soit tranquille. Ah bah ça, la vie, elle est tranquille. Surtout pour Jack Clifton. Hein. Vous savez pas pourquoi il s'est pendu ? Y'a un problème ? C'est Terence Wyatt ? Oui, et alors ? Mais c'est une légende de l'Ouest. En général, quand il arrive dans une ville, il repart, il y a au moins un mort. Ah ouais. En même temps, je me demande bien qui vient buter cette fois-ci. Peut-être celui qui a lancé la rumeur. Ouais. Rose ? Rose, mais tu vas où ? À la réunion du Charity Club. On prépare une vente au profit des fermiers qui ont été ruinés. Mais attends, on a plein de boulot au saloon, ça peut pas attendre. Non, justement. Lorraine Van Doster est quelqu'un de très écouté ici. Si j'arrive à la convaincre de venir demain, toutes les autres suivront. Ok. Ah ben, on y va. Et donc, le saloon réouvre ses portes demain. Je suis très contente que t'aies trouvé un repreneur. C'est drôlement courageux de braver la malédiction. Cet homme a déjà tout notre soutien. N'est-ce pas, mesdames ?
Il a bien sûr aussi le vôtre, madame la présidente. En tant que fervente catholique, je crois en Dieu, donc au diable. Alors à la place du futur repreneur, je prendrai cette rumeur au sérieux. Mais c'est quelqu'un de très respectable et qui a des idées intéressantes pour transformer... L'habit ne fait pas le moine. Et un saloon sera toujours un lieu de débauche et de luxure. Ça ne l'a jamais été du temps de Jack? Enfin, d'après ce que j'ai pu en entendre dire. Harriet a raison. Ce sera un lieu convivial. Festif, certes, mais sans excès et de bon goût. D'ailleurs, je vous invite toutes à venir voir par vous-même parce que vous êtes toutes conviées. Eh bien, nous en discuterons et nous voterons. Hey, je te parie qu'elles vont toutes venir. La curiosité sera plus forte que tout. Attends de voir leur tête quand elles vont découvrir que c'est moi la patronne. Et vous êtes au courant pour l'Indien qui vient d'arriver en ville? Oh, il est beau, tu verrais. Il a des cheveux longs jusqu'à là. C'est un Comanche. C'est ce qu'ils font dans sa tribu. Ils arrachent le cœur de leur victime et ils le mangent. Ils font ça pour se nourrir de leur courage. C'est une marque de respect. Dire bonjour aussi, c'est une marque de respect. Un whisky, double. Bonjour. Je cherche Jack Clifton. C'est mon époux. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Il est mort. Saloperie de bordel de merde. Et vous vouliez le voir pourquoi? C'est lui qui voulait me voir. Besoin urgent de vos services. $1,000 d'avance, le reste à votre arrivée, le 3 septembre. Ce télégramme date de la veille de sa mort, je suis vraiment désolée. Quel genre de service vous vendez, monsieur? Terence Wyatt. Je suis mercenaire. Et votre mari m'a engagé pour buter quelqu'un. Vous devez tuer qui? J'en sais rien. Et à vrai dire, je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer le fric qu'on me doit. $500. Mais Dieu. Mais j'ai pas cette somme. Eh bien, alors c'est vous que je vais être obligé de tuer. Vous avez jusqu'à demain, à l'heure où le soleil se couche. En tout cas, ça explique la disparition de vos économies. C'est censé me consoler, ça? Non mais attends, mais si ton mari a engagé un tueur, c'est qu'il se sentait menacé, ou peut-être qu'il avait un ennemi? Je sais pas. La vérité, c'est que je sais plus qui était Jack. Et si je paye pas ce mercenaire, je suis morte. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Je suis désolée que t'aies entendu ça. Écoute, ton père... Ne parle plus jamais lui. Écoute-moi, s'il te plaît. Ton père avait forcément une bonne raison de faire ce qu'il a fait. Il te met en danger de mort et tu prends encore sa défense? Attends, Lucie, attends! Oh. Oh, mince, moi j'ai un saloon à relooker. Laisse-moi faire, là. Hop. Ça va pas du tout. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis pas une aventurière, moi. J'ai obéi toute ma vie. D'abord à mon père, ensuite à mon mari. Je peux pas reprendre le saloon, en fait. Calme-toi, va prendre l'air 2 minutes. Je prépare le café, je m'occupe de tout. On réfléchit, d'accord? Allez. Un médecin, vite. Il est où, ce médecin? Il est parti au lever du jour. Ah, mais ça m'arrange pas du tout. Il faut vraiment que je trouve un médecin. Ben, je peux aider. Je connais des plantes qui guérissent. C'est quoi tes symptômes? Ah non, mais c'est pas pour moi, c'est pour Rose Clifton.
Je pense que c'est psychosomatique, le stress, elle nous fait un mini burn-out, quoi. Non, tu vois pas. En fait, elle a les nerfs qui lâchent, voilà. Je pense qu'il faut. Oh bah non! Mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait? J'espère qu'il a la tête dure. Un sauvage fait éruption chez nous, il agresse ma mère et séduit la victime. Alors, le sauvage, comme tu dis, il est venu soigner ta mère parce que le médecin, il est dans la pampa. Tu sais t'occuper d'une bosse? Oui, mais c'est tu sais pas... faire un pansement? Oui, mais j'avais... Eh ben, va chercher ce qu'il faut. Tu discutes pas. Quand on fait une erreur, on la répare. Ça va, monsieur? Alors, ça va aller? Oui, ça va. Je suis désolée de t'avoir frappée. Chasse la colère qui alourdit ton cœur. Mais je suis pas en colère. Non, elle est pas en colère. Et Rose, ça va aller? Elle va aller bien mieux. Merci, Yuma. Ça va? C'est quoi ça? Ah ça, c'est le grand, tu sais, le grand monsieur avec les cheveux grands aussi, qui t'a fait ça, il m'a dit, elle ira mieux, voilà. J'ai pas bien compris ce que c'est, mais je crois que je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. J'ai fait des rêves complètement fous. Dans un, j'étais shérif, dans l'autre, je faisais du rodéo. C'est incroyable! Je m'en ferai un autre. Même le café a pas le même goût. Bon, ben, écoute, je vais me préparer parce que si on veut réouvrir le salon, on a du pain sur la planche. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans son cataplasme, Yuma? C'est incroyable. Mais comment t'as fait ça? J'ai claqué des doigts. Non, je rigole. Non, j'ai juste pris tout ce qu'il y avait ici, je l'ai arrangé à ma façon. J'espère que ça te plaît. Ouais. Super. Par contre, si je peux me permettre, ta tenue, c'est pas très glamour. C'est normal, je suis en deuil. Oui, mais les clients, ils sont vivants, ta fille, elle est vivante. Ce serait peut-être bien de faire un petit effort. Mais moi, j'ai que des vêtements stricts pour monter à cheval. Ah bah, ça tombe bien, j'ai anticipé. J'ai arrangé une de tes robes. Va voir dans le bureau. Merci. Non, avant de dire non, va voir. Essaye. D'accord. Waouh! T'es superbe. Ouais. Eh ben, musique! Ça, c'est trop strict, madame Clifton. Oh non, non, non! Regarde, moi aussi, hein! Voilà! Rebelle comme ça! Elle enlève la jambe! Allez!
monsieur. C'est quoi cette tenue? T'as perdu l'esprit, on a rendez-vous à l'église pour les détails de la messe. Ah, je suis désolée, j'ai complètement oublié. Bah, c'est normal, t'es complètement débordée en ce moment, mais c'est une chance que Lucie soit venue te chercher. Une chance? L'avoir accoutré comme une... Non, c'est quand même pas toi qui as repris le saloon. J'ai pas le choix, Lucie. Arrête de te servir de moi comme prétexte pour faire n'importe quoi. Non mais regarde-toi. Tu me fais honte. Lucie... Je veux pas de toi à l'église. Je dirai au Evans que t'es souffrante. Attends. Hé, tu vas faire quoi, là? Mais je vais la chercher, il faut que je lui parle, je peux pas la laisser partir comme ça. Mais ça sert à rien, t'as vu, elle est braquée. Laisse-lui le temps de s'habituer à l'idée. Je te rappelle que t'as un saloon à ouvrir. Quand des cœurs purs comme les nôtres se rencontrent, le ciel si gris prend une couleur de braise ardente. L'amour pour nous était d'une douceur étrange. J'ai soudain senti dans mon corps un feu brûlant. Et j'ai dit oui, je t'ai voulu. Tu m'as voulu, je t'ai dit oui. Tu m'as... Rose a pas menti, hein. La décoration est superbe. Et l'ambiance est tout à fait comme il faut. Je vous le conseille. Le soleil brûlait si fort nos cœurs fragiles. Tu m'as souri et puis tu es parti. Depuis ce jour, je ne t'ai plus jamais revu. Tu m'as laissé, tu m'as trahi. Abandonné, mais j'ai guéri, je suis reparti. Je t'ai cherché dans bien des villes, dans bien des rues. Je t'ai trouvé dans bien des bras de filles perdues. Quand dans le froid d'hiver un jour tu dormiras, tu sentiras une présence à côté de toi. Je serai là, seule face à toi. Tu me regarderas, tu vas payer, je vais te tuer à côté. La 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 la. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai l'impression que l'ambiance de ce nouveau salon vous plaît, mais ce n'est pas nous qu'il faut applaudir, enfin quoique, un petit peu quand même, hein. C'est la nouvelle patronne de ce saloon. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Rose Clifton. Pas, messieurs. Moi non plus. Vous nous avez manipulés, c'est indigne. Non, non. C'était juste très important pour moi que vous veniez voir le lieu, les transformations. Eh bien, nous sommes venus, nous avons vu, et nous n'allons pas rester une minute de plus. Madame la présidente, si je peux me permettre, je vous ai vu frétiller de l'index sur la musique. Ça n'a rien à voir avec le fait que Rose n'est pas à sa place ici. Et pourquoi? Parce que je suis une femme. Reprenez-vous, Rose. Sinon, vous ne pourrez plus compter sur nous. Mesdames, allons-y. Très bien, Ariette. On vous attend. Je suis désolée. Ah non, tu vas pas baisser les bras maintenant. Tu te souviens pourquoi tu fais ça? C'est pour ta fille, pour son avenir. Alors, musique! J'admire votre audace et votre courage, mais ma sœur a raison. Votre place n'est pas ici. Si, Ulysse. Ici, c'est chez moi. Passe-moi une bouteille. Tout le monde est général ! Oui !
tapis. Au revoir. C'est le moment de vérité, messieurs. Foule pour Monsieur Bishop. Passez, petit. Quinte flush, main gagnante pour Monsieur Van Oster. Vous avez de la chance, je suis de bonne humeur ce soir. Ça va, tout se passe bien? Oh, je m'éclate. Alors, ma belle, tu finis à quelle heure ce soir? Bien trop tard pour vous, jeune homme, je le crains. Eh ben, moi aussi. C'est dommage. Alors, voilà. Je vais taper un bêche. Laisse-moi. Pour ta chance. Tu vas où, là? Ça, tu vas me l'oublier. La prochaine fois, c'est sa tête que je vise. Je vais plus te voir dans le coin, Bishop. Barre-toi! Vous n'êtes pas de taille face à ce genre d'individu. Vous auriez pu être blessé au pire. Merci, Ulysse. Laissez-moi vous protéger. J'ai affaire. La légende de l'Ouest aurait-elle peur de la concurrence? J'ai peur de personne. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que le salon tourne pour récupérer mon fric et me barrer d'ici. Mais vous accordez un sursis à Rose? Disons plutôt que sa mort ne m'apporterait rien. Pas faux. Vous êtes encore là, vous? Je vous avais presque oublié. Mesdames. Il est pas un peu susceptible pour un tueur, non? Oui, mais il t'accorde un délai, c'est ça qui est important. Puis alors, franchement, moi, je le trouve de plus en plus sympa. Alors? Eh ben, sachant que la soirée était écourtée, la recette est bonne. Très bonne, même. Et je me trompe ou ce soir, tu t'es senti complètement dans ton élément? Écoute, je crois que c'est la première fois de ma vie où je me sens exister autrement que juste comme une mère ou une épouse, tu comprends? Ouais, je comprends bien, ça s'appelle le sentiment de liberté. Eh ben, la liberté, ça se paye. Ma fille me prend pour une traînée, Harriet m'a laissé tomber, Lorraine et les autres... Et ce sera encore pire quand elles apprendront ce qui s'est passé quand elles sont parties. Et à ce propos, tu trouves pas la réaction de Bishop un tout petit peu excessive? Parce que sortir son flingue juste pour un feat? Non, c'est un homme. On y va, il faut que je parle à lui. Lucie? Écoute, je comprends que tu sois en colère. Je suis désolée. J'aurais dû te prévenir que j'allais reprendre le salon. Lucie, je suis désolée. En fait, j'en ai marre de me justifier tout le temps. Tout ce que je le fais pour toi. Alors si je peux en tirer un petit peu de satisfaction au passage, j'ai pas à m'en excuser. Et si t'es pas assez mature pour comprendre ça, c'est que tu l'es pas non plus assez pour te marier et tu ferais mieux de te poser des questions.
Et qu'est-ce que je fais de ça? Ouh là là, attends. Laisse-moi ça. Je les collectionne. Pose doucement. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas à l'école? J'ai croisé Madame Evans en chemin. Elle a une idée formidable. J'aurais dû m'en douter. La mise en vente du saloon, toi qui reprends. T'as plus d'argent, c'est ça? Je te jure que j'ai rien dit, moi. Mais pourquoi t'as gardé ça pour toi, Rose? Entre amis, si on a des secrets, Henriette, c'est... j'ai... Écoute-la jusqu'au bout, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dirais si... si le saloon faisait office de dot? Et si Ben en prenait la direction, enfin, quand les enfants seront mariés? Ben, je pense qu'elle dirait qu'elle a besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, pour y penser, quoi. Et penser à quoi? Ça règle tout. D'accord. C'est très bien. Faisons ça, c'est bien. Et maintenant, tu vas retourner à l'école. Ok. Pour les papiers à signer... On voit ça demain. Ça t'ennuie pas? Bien sûr. À demain. À demain. Fais-moi à boire, s'il te plaît. Bon, réfléchis, Rose. Qu'est-ce que tu vas faire si t'as plus le saloon? Ben, je vais m'occuper du mariage de Lucie. Oui, et après? Ben, je referai des napperons et Harriet les vendra dans sa boutique. J'en sais rien, moi, Joséphine. Mais enfin, tu t'es battue pour réouvrir saloon, c'est pas pour passer le reste de ta vie à faire de la broderie. Cette fois-ci, ça suffit toutes les deux, d'accord? Je vais donner l'intégralité de la recette à Wyatt. C'est pas exactement ce que je lui dois, mais c'est déjà ça. Et je veux plus entendre parler de ce saloon, d'accord? Intéressant de récupérer les empreintes de Bishop. C'est pas possible! Ils m'ont tout volé. Ma mission s'est sérieusement compliquée. Le danger se rapproche de Rose. Mais vous me connaissez. Touchez à ma cliente et vous aurez affaire à moi. Tu peux arrêter de jouer là? Je suis sérieux là. Donc ça, c'est pas une menace. D'abord, il y a mon bétail qui crève, puis ça. Mais là, je suis désolé, Monsieur Rogers, mais c'est pas signé. T'as une famille? Pas de famille, toi. Moi, la mienne, elle est en train de crever. Alors, tu vas te bouger le cul et tu vas trouver l'ordure qui est derrière tout ça, ok? Oh, j'ai du boulot, moi. Au revoir, Monsieur Rogers. Shérif? Ah, ça doit faire bizarre de recevoir un truc comme ça. Ça, c'est une mauvaise blague de gamin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Clifton? Je viens porter plainte. Pour vol avec effraction. C'est pas mon jour. Ah, sauf que nous, on a des preuves. Regardez. Alors ça, c'est l'empreinte d'un pouce trouvée sur le coffre de Rose. Et là, c'est la même empreinte de pouce relevée sur ce Colt. Colt qui appartient à l'homme qui s'en est pris à moi hier soir. En même temps, d'où vous étiez, vous avez pas dû voir grand-chose. Et alors? Eh ben, c'est la même empreinte de pouce gauche. Or, Bishop est gaucher, ça veut dire que c'est lui qui a braqué la recette. Là, il n'y a rien qui me prouve que c'est le pouce du même gars. Mais si chaque individu a des empreintes digitales uniques, c'est scientifique. Même si c'est vrai, identifier c'est une chose, arrêter c'en est une autre. Mais ça te fatiguerait beaucoup d'au moins lancer un avis de recherche? Sans photographie, là? Mais je dessine très bien, donne-moi un papier, un crayon. Non mais, oh, il doit être loin, là, à l'heure qu'il est. Mais justement, allez, remue-toi un peu, là, papier, crayon. Ah, est-ce que je peux vous le prendre, ce petit objet, parce que j'en fais la collection? Oui. Tu fais beaucoup de collections, non? Oui. Et la carte, là, est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui, prenez ce que vous voulez. Hein. Super.
fait. C'est la parcelle du salon, ça? Ouais. Parce que dans son carnet, ton mari mentionne toutes les parcelles situées entre Golden River et Richfield. Il planque ce carnet dans un coffre. Il engage Wyatt pour tuer quelqu'un. Et le lendemain, il se pend. Et tu crois qu'on peut trouver toutes les réponses dans le carnet de Jack? Je sais pas, mais c'est un début de piste. D'accord. Alors, là, c'est la ferme des Westin. Oui. Et là, c'est celle de mon beau-frère. Quel lien entre les deux? Leur bétail a été décimé de la même façon. Comme le bétail du fermier qu'on a rencontré chez le shérif, Rogers. Sauf que lui, en plus, il a reçu ça. Tu crois que mon beau-frère aurait pu en recevoir? Et peut-être ton mari aussi. Si t'as raison, les Westin aussi ont dû recevoir un petit cercueil. Je vais aller les voir. Ah non, pas toute seule. Ce serait mieux que tu sois accompagnée par quelqu'un et si possible, un pro de la gâchette. Tu parles de Wyatt, là? Mm-hmm. Je peux déjà pas lui payer ce que je lui dois. Pourquoi tu veux qu'il me rende un service? Ben moi, je vais lui demander. Ça se tente. Donc Rose veut savoir pourquoi son mari s'est pendu, mais surtout, elle a décidé de trouver elle-même qui menace les fermiers. Cette femme est complètement inconsciente. C'est beaucoup trop dangereux. Ah ben, on est complètement d'accord. Et c'est justement à ce propos que je venais vous voir, parce que je me demandais, comment dire, si, par exemple, vous, ok, je vais faire bref, je me demandais si vous pouviez pas assurer sa sécurité. Et pourquoi je ferais ça? Bah, si lui arrive quelque chose, vous pouvez faire une croix sur votre argent. Vous n'avez qu'à venir me le demander elle-même. Ok. En fait, vous avez peur qu'elle vous rejette comme Ulysse? Je vous l'ai dit, j'ai peur de rien. Et de personne. Mmh. Cigarette? Mmh. Lucie? Bonjour. Je cherche la croix brisée. Je trouve personne pour m'aider. Eh bien, c'est pas très loin. Tu vas tout droit jusqu'à chez Johnson. Tu tournes à gauche. À droite. Johnson? Le maréchal Ferrand. Ensuite, tu vas jusqu'à la fourche, puis vers l'est, jusqu'au grand cactus. Non, vers le... En fait, ce serait plus simple que je te montre. Mon sac est perdu, hein, pas moi. Non, t'as raison. Viens. Aussi, hein. Oui, à mon avis, pas de leur plein gré. J'ai trouvé ça à l'intérieur. Ah, c'est le même que celui qu'a reçu Rogers. Même ultimatum, mais ils ont changé le nom. Je comprends pas. Sans bétail, la terre vaut déjà plus grand-chose, alors pourquoi continuer à faire pression sur Westin? Certainement pour les acheter moins cher. Mais on sait de quoi elle provient, cette épidémie. On sait juste que le sang des bestiaux devient noir. Noir. Je vais aller demander aux fermiers là-bas. Savoir s'ils sont au courant de qui a racheté la ferme. Je vous accompagne. Le sang devient noir. T'es pas comme les autres. T'as pas peur d'être vu avec moi? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette plante? À petite dose, elle calme l'esprit. À haute dose, je l'utilise pour réduire la douleur. Et puis, elle est jolie. Du sang noir. Attends, ça me dit quelque chose. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet. Ah non, mais je peux pas accepter ça. Chut.
doux, mon beau, calme-toi. On est là pour t'aider, on va pas te faire de mal. Il est en sueur. Très chaud. Baissez. Recule. J'ai déjà vu ça avec une mule qui avait mangé de la mort. J'ai de quoi le soigner au village. Tiens. Calme-toi. Alors, on a juste appris que les Westin avaient vendu leur ferme à un homme qui vient apparemment d'Atlanta. Ça, le prix de bordel de merde. Couchez-vous ! Bishop, ça va? Oui, ça surprend. Merci. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont peur qu'on découvre? Il n'y a plus rien ici. Si, il y a de l'arsenic dans l'abreuvoir. Hein? C'est pas une épidémie qui a décimé le bétail des Westin. Ça veut dire que les bêtes ont été empoisonnées? C'est un acte criminel. Bon, c'est trop dangereux, faut pas rester ici. Oh, oui, je suis d'accord. Ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Je comprends pas comment Jack s'est mis dans un pétrin pareil. Ça a pas de sens. Mais en même temps, c'est forcément lié à la langue. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Lâche-moi, tu me fais mal. Où sont les contrats? Si tu cherches à te défiler ou à me doubler... Non, non, non. Elle a accepté. Je veux les avoir, les papiers. Je m'en veux de lui avoir fait ça. Oh, des scrupules, toi? Mais ça, c'est la meilleure. Tu veux que tout le monde sache que la respectable Madame Evans n'était qu'une pute? Arrête. Alors débrouille-toi pour que Rose ait signé le papier demain, à la première heure. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit qu'Ulysse te faisait chanter? Je pouvais pas. J'avais trop honte. Je veux pas redevenir une paria. Alors tu préfères me trahir moi avec cette histoire de dot? Ça, c'est l'idée d'Ulysse. Il a pas supporté que tu le repousses. Il s'est dit que s'il te prenait ton saloon, tu finirais par lui revenir. Mais il comprend pas qu'il m'aura jamais. Et tu sais quoi, le saloon? Ben le saloon, je le garde. Mais il va s'en prendre à toi, Rose. Il est capable du pire. Mais j'ai pas peur de lui, moi. Et toi, tu... Hé, hey, je peux savoir ce que vous faites chez moi, vous? Ce cheval est malade. On l'a trouvé près de la croix brisée. C'est qui, on? J'ai trouvé un seau pour lui donner à... Je pars. C'est mieux. Pour le soigner. Mais enfin, Lucie, à quoi tu penses? Hein? Et si Ben vous avez vu ensemble? Tu te soucies moins du qu'en dira-t-on quand t'as repris le saloon? Ça suffit, Lucie, j'ai de compte à rendre à personne, moi. Et pour ta gouverne, le saloon, je le garde. Je veux plus entendre à moi à ce sujet, c'est compris? Et alors, il a quoi, ce cheval? Yuma pense qu'il a mangé de la morora. La morora? Y a pas de l'arsenic dans la morora? Il vient de la ferme de Charles Kipling. Kipling, je connais ce nom. Kipling, c'est un des noms qui est dans le calepin de ton mari. C'est pas un ou deux cas isolés, en fait. C'est toutes les bêtes qu'on a empoisonnées pour pousser les fermiers à vendre leurs terres. C'est horrible qu'il peut faire une chose pareille. Je sais pas. Mais peut-être que ton père l'avait découvert, lui. Et c'est pour ça qu'il avait engagé Wyatt, pour se débarrasser de cet homme.
Alors pourquoi elle aurait mis fin à ses jours? La raison, ça n'a pas de sens. À moins que le coupable ait découvert qu'il était démasqué. Et à son tour, il s'est débarrassé de ton mari. Là, ça a du sens. Ça voudrait dire qu'il a été assassiné? Attends, on sait pas, c'est juste une... Non, non, mais c'est ça, c'est sûr. J'aurais pas dû douter de lui, il nous aimait, il nous aurait jamais abandonnés. Attends... Elle dort. J'aurais jamais dû émettre cette hypothèse devant elle. Parce que si j'ai tort... Oui, bah n'empêche que moi, plus j'y réfléchis, plus je pense que tu as raison. Simplement, il nous faut des preuves. Comment? Bah, si on a vu juste, ça veut dire que Jack a pas pu se pendre tout seul. Mm-hmm. T'es d'accord? La corde. Pardon de te demander ça, mais tu sais si quelqu'un a pu garder la corde? C'est Ben qui a détaché mon mari. C'est l'ancien shérif qui l'a gardé. Il disait que ça portait bonheur. Moi, je trouve ça macabre, mais dans le doute. Alors, Clifton... Ah, Clifton. Merci. Je savais bien que ça allait vous remuer, Madame Clifton. Tout ça pourquoi? Ton mari était gaucher? Non, pourquoi? Parce que ce nœud coulant était fait par un gaucher. Et alors, ça change quoi? Bah, ça change tout. Ça veut dire qu'il s'est pas suicidé. Et que maintenant, il faut que t'enquêtes sur son assassinat, enfin. Oh. Mais sur la base d'un nœud coulant? Non, mais vous plaisantez, là. Le juge va me rironner. Hein. Puis pourquoi on l'aurait tué, votre mari? Parce qu'il n'y a jamais eu d'épidémie. Le bétail a été empoisonné et Jack l'avait découvert. Et alors, c'est pas un crime de tuer les animaux, hein? Ah oui? Et le cercueil trouvé à la ferme des Westin, c'est une blague de gamin? Encore une fois, ça n'est pas signé. Laisse tomber, Joséphine. Il fera rien. Il fera rien parce qu'il a peur. Alors ça, c'est pas gentil, Madame Clifton. Ça me peine beaucoup. Franchement, je ferais n'importe quoi pour vous, Lucie. Vraiment n'importe quoi. Mais là... Viens, on va chercher le dos d'ailleurs. Jack est mort parce qu'il a agi seul. Nous devons toutes nous unir pour démasquer le coupable et le mettre hors d'état de nuire. Alors, ça ne vous suffit pas de vous être ridiculisé en reprenant le saloon. Maintenant, vous prétendez jouer le rôle du shérif. Bah oui, parce que si votre shérif prenait son rôle au sérieux, ça se saurait. Il fait ce qu'il peut en attendant. Il ne fait rien, c'est qu'il n'y a pas de raison d'agir. Ah bon? Et ça, c'est quoi? Enfin, Laurel, mais ouvrez les yeux, bon sang. Les fermiers vont mettre la clé sous la porte les uns après les autres. Et mon mari aura été tué pour rien. Si c'était vrai, pourquoi n'en a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas réuni le conseil du village? Il en a peut-être pas eu le temps. Votre amitié pour Rose vous aveugle, Harriet. Non, mais si c'est vrai, on peut pas rester les bras croisés. Voilà. Merci. La vérité, c'est que votre mari vous a lâchement abandonné. Et que vous ne l'acceptez pas. Ça, c'est ce qu'on a voulu me faire croire. Mais c'est pas vrai. Et je vais le prouver. Bon, j'en ai assez entendu. Je propose que nous votions votre exclusion du Charity Club. Je vous rappelle que cela requiert l'unanimité. Qui vote pour ? Je n'ai pas honte d'avoir repris le saloon. Et je n'ai pas honte non plus de vouloir rendre justice à mon mari. Par contre, j'ai honte de vous. De vous toutes.
ici. Ça va pas? Ah, mais te fais pas de soucis pour moi. En fait, je suis soulagée qu'on sache enfin la vérité. Mais de quoi tu parles? De mon père. Maman m'a dit pour la corde. Ah! C'est pas pour ça que t'es là? C'est pour le saloon? Non, je m'en fiche du saloon, là. On m'a dit qu'on t'avait vu avec le sauvage. Non, mais si c'est Dumas que tu parles... Non, je te parle de nous, là, d'accord? Des vœux qu'on est censé prononcer dans 3 jours, je sais pas. T'es pas en train de rompre. Je sais ce que je veux, Lucie, d'accord? Je suis pas sûr que toi tu le saches. Mais si! Mais bien sûr que si! Et je suis désolée pour Yuma. Mais tu lui donnes trop d'importance. Vraiment. Alors évite-le, hein, à l'avenir. Allez, viens. Ils veulent tous nous empoisonner! Mais c'est n'importe quoi! Yuma a soigné ma mère, il a rien à voir avec ça! Ça ne nous regarde pas, alors viens! Dégage! Qu'est-ce que vous faites là? Dégage! Pourquoi vous acharnez contre lui? Arrête, tu te donnes en spectacle là, tu me fais honte! C'est toi qui devrais avoir honte, Ben Evans! T'attends quoi pour intervenir? Qui s'est assinché? Lucie! Non mais arrêtez! T'as compris maintenant? Enfin, shérif, qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? C'est un flagrant délit là! Il n'y a rien qui interdit de s'en prendre aux Indiens par ici. Ta fiancée se compromet avec un moins que rien. Et si c'est pour ça, t'attends quoi pour la mettre ou pas? Bon, maintenant, Lucie, ça suffit, d'accord? Tu viens! Mais il est blessé! Tu viens. Ou je te quitte. Lucie! Tu fais ce qu'il te dit. Et tu prétends que ça n'a pas d'importance? Foutaise. Excusez-moi, messieurs, mais je vais devoir fermer. Ah. Je comprends pas. Ce mariage, c'était son rêve. Elle avait plus aucun souci à se faire pour son avenir. Elle ruine tout, je comprends pas. Elle supporte pas qu'on s'attaque aux plus faibles. C'est marrant, mais ça me rappelle quelqu'un. Et son avenir? T'as pensé à son avenir? Je m'inquiète pas pour elle, elle a dû répondre non. Exactement comme toi. Ah, parfait. Ça m'a apporté que des ennuis à moi. Ah non, pas que. Regarde Wyatt. Maintenant, il est de ton côté. Et ça, c'est précieux. Ouais. Il semblerait que cet endroit devienne de plus en plus dangereux. Bishop l'autre soir, le Mexicain maintenant, tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est Ulysse. Je suis sûr qu'Ariette lui a dit que finalement je voulais récupérer le saloon. Ouais. Et il en fait une affaire personnelle. Je m'en fiche de son affaire personnelle, moi je veux juste savoir qui est-ce qui a tué mon mari. Je comprends, mais ça vous fait beaucoup d'ennemis. Vous savez vous servir d'une arme? Mais enfin bien sûr que non. Alors il est plus que temps d'apprendre. Mais pas ici, demain, tôt, et à l'abri des regards. Yuma, via te uscire. J'avais jamais fait ça avant. Tu vas boire un café? Si, mais pas... En pleine nature, comme ça, en regardant le soleil se lever, c'est... Alors, à cette première fois... Apprendre à tirer, c'est bien, mais c'est pas ça qui va me dire qu'elle a tué mon mari. Pour votre mari, la première chose à faire, c'est remonter à la source. Quelle source? Si l'homme d'Atlanta a acheté des fermes, il a forcément été enregistré au cadastre. Pourquoi vous êtes devenu mercenaire? Parce que
que je sais rien faire d'autre. Et puis parce que ça paye bien. Et vous avez jamais eu envie de vous poser? Si, parfois. Mais une femme bien ne voudrait jamais d'un homme comme moi. J'y arrive pas. Vous êtes beaucoup trop tendu. Non, pas du tout. Si, vous l'êtes. Non. Plus vous allez être détendu, plus vous allez pouvoir anticiper ce que va faire votre adversaire. Allez, on recommence. Tenez-vous droite. Vous inspirez en levant. Vous bloquez. Vous chargez. Vous tirez. Bravo. C'était pas si difficile. Tiens, Ben, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas, moi, ça dépend. T'as envie de te marier avec lui ou t'as pas envie? Je sais plus. Avant, je me posais pas de questions, mais là... Et puis ce mariage, c'est très important pour ma mère. Non. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu veux. Alors... Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais pas te revoir de si tôt. Je voulais m'excuser pour hier. C'est ce qu'a dit Ulysse von Oster, j'ai vu rouge. T'en faut pas beaucoup pour douter de moi. Ah, je me suis comporté mais comme un crétin. Un crétin jaloux. Ce qui est idiot, non? N'est-ce pas? Ben est revenu. Ça m'en a tout l'air. C'était bien ta leçon de tir? On dirait que ça t'a plu. Écoute, oublie tout ce que je t'ai dit. Je t'aime et je veux me marier avec toi dimanche. Avec ou sans dot, avec ou sans robe, hein? Dis-moi oui. Oui. T'inquiète pas. Je voulais savoir comment t'allais. Bien. Tu peux pas rester là, je te dis. Je suis venue te dire au revoir. Mais pas comme ça, je veux t'expliquer. Retrouve-moi la croix brisée. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, Ulysse. Bon, alors maintenant, ça suffit, Rose. Au début, ce petit jeu m'a amusé. Émoustillé, même. Personne ne m'a jamais résisté, mais là, ça va trop loin. C'est vous qui êtes allé trop loin. Peut-être, oui. Mais c'est de votre faute. Vous me faites pas peur, Ulysse. Je suis pas Henriette. Ah ben, j'espère bien. Sinon, je ne vous offrirai pas une dernière chance. De vous épouser? Mais je veux pas de vous. Ni maintenant, ni jamais. Vous êtes pas quelqu'un de bien, Ulysse. Parce que Wyatt est un homme bien, sans doute. À sa façon, oui. Et il se cache pas sous un vernis de respectabilité, lui, au moins. Personne ne me dit non, Rose. Personne ne me repousse. Tu seras à moi. C'est juste une question de temps. Je vous interdis de me toucher. Wyatt ne sera pas toujours là pour te protéger. Et ce jour-là... Touche encore un seul de ses cheveux.
Et je te jure que je fais exploser la boîte vide qui te sert de crâne. Rose. Pardon, pardon, j'ai eu peur et... Au cadastre, le cadastre viendra à toi. Tranquillou, tranquillou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non plus. Ça peut être intéressant. Qui a acheté les terres de Westin? Ah voilà. Mais attends. Ça, c'est intéressant. Oui, je vais dire à mon GPS au coup. Vous savez, depuis quelques jours, je suis traversé par un sentiment totalement nouveau pour moi. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... C'est que j'ai peur pour vous, Rose. Lui, c'est un lâche. Et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Et un jour ou l'autre, vous baisserez la garde. Oui, il finira par se lasser. Je ne crois pas, non. Il vous faut un homme pour veiller sur vous. Et je pourrais être cet homme. Ça dépend de vous. Je vais vous payer ce que je vous dois. C'est inutile. Vous ne me reverrez plus. Incroyable. Il y a une semaine encore, toute ma vie était tracée. Lucie. Et t'es arrivée avec ton sourire, ton regard. Et surtout, ta liberté. J'ai l'impression que c'est ce jour-là que ma vie a vraiment commencé. Je sais pas. J'ai commencé à avoir des vertiges et... Mon mari m'a jamais embrassé comme ça. J'ai eu peur, en fait, je crois. Mais peur de quoi? C'est top, au contraire. Ça veut dire que... Bah voilà. Fais soif. J'arrive. Au fait, le cadastre, ça a donné quoi? Ah oui. Alors, c'est une société d'Atlanta qui a racheté la ferme Westin, celle de ton beau-frère, et toutes les fermes touchées par l'épidémie. Et elle est dirigée par un certain Sylvester O'Shaughn. Sylvester O'Shaughn. Cheval de Yuma, ça.
Ce qu'il fait ici tout seul? Non. Joséphine, qu'est-ce que tu sais? Bon, ok, Yuma et Lucie devaient se retrouver à la Croix Brisée. Quoi? Non, mais c'était juste pour se dire au revoir. Tu vois? Ouais, voilà. C'est... Yuma! Qu'est-ce qui s'est passé? Deux hommes. Lucie. Où est Lucie? Yuma, où est Lucie? Je suis sûre que c'est Ulysse. Je suis sûre qu'il l'a enlevé. Bon, attends, on ramène Yuma en ville pour le soigner et moi après j'irai chercher de l'aide auprès de Wyatt. Tu sais où il est? Oui, tu t'inquiètes pas. Allez, fais ce que je te dis. Attention la tête. Voilà, attention sa tête. Ah, monsieur Wyatt. Ah, c'est vous. En fait, je m'excuse de vous déranger, mais c'est... Non, c'est... ça va, vous inquiétez pas. J'attends juste Yuma et on s'en va. Ben justement, Yuma s'est fait tirer dessus et la fille de Rose a été enlevée. Saloperie de bordel de merde. Ça, je vous le fais pas dire. Je vais prendre la relève. Vous devriez aller vous reposer un peu. C'est gentil, mais je pourrais pas. Je suis bien trop inquiète. En tout cas, merci d'être venu. Dès que le jour se lève, je partirai à la recherche de votre fille. Je pars avec vous. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je me suis dit qu'une tasse de café chaud vous ferait du bien. Attention, c'est brûlant. Merci. Merci. Comment il va? C'est bien que je t'en verrai plus. Ne fais plus jamais un coup pareil. Lucie. T'inquiète pas, je vais la retrouver. Je viens. Non, t'es beaucoup trop faible. Je viens. Joséphine, tu vas aller voir Ben et tu vas lui expliquer la situation, d'accord? Ok. Et moi, je viens avec vous. Vous savez pas où est votre fils, Ben? Ben si, il m'a prévenu qu'il partait pour une mission à Sacramento. Oh ben non, c'est vraiment pas le moment, là. Et Rose, elle va bien? Non, justement, elle va pas bien du tout. Sa fille a été enlevée, on pense que tout ça, ça a été commandité par Ulysse. Oh, c'est pas vrai. J'étais sûre qu'il s'arrêterait pas là, mais alors s'en prendra Lucie. Quelle lâche. Abattu dans le dos. La marque des traîtres.
Elle est vivante. Faut y aller. Non, non, Rose. Non, c'est trop dangereux. Vous restez ici. Alors ramenez-la-moi, Wyatt. Ramenez-la-moi. Je descends sans armes. T'approche pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, je suis pas armé. T'approche pas. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Bishop. Elise Van Oster te paiera jamais. Je l'ai tué. Je te donne $50 pour la fille. Regarde, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes plus l'argent? C'est pas pour ça que tu viens de tuer ton pote? Maman! S'il vous plaît, laissez-la partir. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, mais lâchez-la, lui faites pas de mal. Je vais te séparer sinon je bute la fille! Lucie! Ça va pas, non? Vous auriez pu la tuer. Vous aussi. Ça va, maman, je t'assure. Ok. Alors, il y a quoi dans les sacoches de Bishop? Ça ressemble beaucoup à de la Morora. De la Morora? Donc, le Mexicain et Bishop travaillaient pour l'homme d'Atlanta. Oui, mais ils travaillent aussi pour Ulysse. Ulysse. C'est trop bien ça. Van. Levé. Oui, il est là. Van. Oh. Sœur. Eh ben voilà. Sylvester Ocean et Ulysse Van Oster sont une seule et même personne. Je suis trop forte. C'est une anagramme. Ah. Ah ben je suis heureux de voir que vous avez retrouvé votre fille. Arrête. T'as voulu te servir d'elle comme monnaie d'échange pour avoir mon saloon. Qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre Rose? T'es un traître, un menteur et un criminel, Ulysse. Vous préférez peut-être qu'on vous appelle Sylvester O'Shaun? De quoi elle parle, la péronnelle? Elle parle du bétail que t'as fait empoisonner et de tous les fermiers que t'as menacé et mis sur la paille pour acheter leur terre une bouchée de pain. Et personne dit rien parce que tout le monde te craint. Elle a raison. Ulysse m'a fait chanter. Et à cause de ça, j'ai trahi ma meilleure amie. Surveillez vos propos, ma chère Ariette. Sinon... Sinon quoi? Sinon tu vas révéler mon passé? Te donne pas cette peine. Quand j'étais jeune et que je crevais de faim, j'ai vendu mon corps pour vivre. À côté de vous, Rose passerait presque pour une sainte. L'air est vraiment devenu toxique par ici. Mon mari n'a pas réuni le conseil du village parce que votre frère en faisait partie. Et c'est pour ça qu'il a engagé Wyatt. Et vous avez fait tuer mon père. Si ça t'aide à vivre de le croire, petite, te gêne pas. Yes! Si t'étais pas une femme, je te provoquerais un duel. Mais toi, si t'étais un homme, j'aurais aucune hésitation. Vous êtes tous témoins, là. La veuve Clifton veut se battre en duel. Ulysse. Rendez-vous ici dans 2 heures.
Tu m'empêcheras pas de faire ça, tu sais. Rose. J'ai gagné le droit de décider par moi-même. Et si t'as un tout petit peu de sentiment pour moi, il faut vraiment... D'accord. D'accord ? Tristan ! N'oublie pas d'observer la main d'Ulysse. À l'instant même où elle arrête de trembler. Tu t'es gagné, tu tires. Dans le dos, c'est la marque des traîtres, ça. Je me vide de mon sang, là. Tu parles. J'ai fait exprès de te tirer dans l'épaule. Maintenant, t'avoues tout, sinon je te tire une balle dans la tête. J'ai rien à dire. Alors lève-toi. Lève-toi ! Et meurs comme un homme. Je ne suis qu'un intermédiaire. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Aux ordres de qui ? Je sais pas, je te jure, tout ça, c'est... C'est à cause du train. Du quoi ? Mais de quel train ? Mais oui, le train, sur quel pain ? La Pacific Railroad. C'est le train qui va relier Omaha à Sacramento. Et le prix des terres qui sont sur son passage va flamber, c'est évident, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que t'as tué Chuck ? C'est pour du fric ? Votre mari n'était qu'un idiot. Il s'opposait au chemin de fer. Alors que c'est l'avenir. L'avenir ? Mais l'avenir de qui ? De tous les fermiers que vous avez mis sur la paille ? Mais ouvrez les yeux ! Le train va nous amener du monde, du travail. On va s'agrandir, on va prospérer ! On a tous à y gagner ! Surtout vous et votre frère. Tous ces bouseux n'auraient jamais vendu si on n'était pas intervenus. Et le train serait passé ailleurs. Votre grand cœur vous perdra, Lorraine. La sensiblerie et l'idéalisme n'ont jamais fait avancer le monde. Alors vous avez fait tuer Jack. Il voulait faire tuer mon frère. Et vous m'avez fait croire à moi et à ma fille qu'il s'était suicidé. Et qu'il nous avait abandonnés. Alors ça, c'est pour Jack. Yes. Qu'est-ce qui se passe ? Je reviens de mon bureau, là, il y a les Van Oster qui sont dans une cellule. J'ai raté quelque chose ? Je t'expliquerai. T'étais où ? À Sacramento, pour acheter les alliances. J'étais tellement heureux quand tu m'as dit oui que je voulais ce qu'il y avait de plus beau pour toi. Il y a un souci, là, ou ? Écoute, j'ai réfléchi et... Je t'aime beaucoup. C'est pas bon, ça. C'est lui ? Non, c'est pas ça. C'est pas à cause de lui, c'est juste que... J'ai enfin compris que j'avais le droit de choisir mon destin. Ce que je veux, c'est continuer mes études, c'est tout. C'est bon, j'ai compris. Oh, j'ai tout raté, moi. Tu vois, même cette étoile, là, je mérite pas de la porter. Rose Clifton, vu ton courage et ta bravoure, je te nomme shérif de cette ville. Sérieusement ? Il n'y a pas plus sérieux. Ok.
semblerait bien qu'il y ait un nouveau shérif en ville. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir besoin d'un adjoint. Si vous me dites quel genre de personne vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider à le trouver. C'est possible. Du genre mercenaire, mais avec les épaules solides quand même. Ils sont trop mignons tous les deux, vous trouvez pas? Bon bah, mission accomplie. J'ai plus qu'à enlever mes Santiago et à rentrer à la maison. Pourquoi je dis ça? J'ai jamais eu de Santiago, moi. Ça a manqué tout ça. Ah, il me reste un dernier truc à faire. Trop forte, Josie. Quand des cœurs purs comme les nôtres se rencontrent, le ciel si gris prend une couleur de braise ardente. L'amour pour nous était d'une douceur étrange. J'ai soudain senti dans mon corps un feu brûlant. Et j'ai dit oui, je t'ai voulu. Tu m'as voulu, je t'ai dit oui, tu m'as dit oui. Te souviens-tu de ce jour était tranquille?